C'est une musique d'une immense sincérité. Moi, c'est un compositeur que j'ai toujours adoré. C'est quelqu'un qui a eu le courage d'être finalement à contre-temps avec ce qui se passait artistiquement à son époque, et qui a donc eu le courage d'être lui-même jusqu'au bout. C'est une œuvre qui est très pure de proportion, finalement très harmonieuse. Et il y a beaucoup de dangers. Et il faut toujours rester vraiment concentré sur l'architecture, sur la ligne, sur l'arc qui traverse l'œuvre. Ça a été un des premiers coups de foudre de ma vie musicale. Alors c'est vrai qu'après, je l'ai un petit peu laissé de côté. C'était volontaire aussi, parce que je l'avais beaucoup, beaucoup joué à une époque. Et parfois, justement, il faut se mettre en retrait. Et puis alors, ce qui est toujours incroyable dans ce processus de travail musical, c'est que même, je dirais presque en votre absence, l'œuvre évolue à l'intérieur de vous, même si vous n'êtes pas engagé dans un rapport actif. Et quand vous y retournez, évidemment, c'est tout autre chose. Ça peut parfois être très difficile, parfois plus difficile qu'une nouvelle relation avec une nouvelle œuvre. Alors évidemment, Claudio, pour un soliste, pour un partenaire musical, c'est le rêve, parce que c'est un homme qui est d'une profondeur et d'une gentillesse, en même temps qu'il a une aura très, très particulière. C'est quelque chose qui irradie vraiment, qui vous embrasse au sens large. Et son amour pour la musique, c'est quelque chose qui dépasse de loin même l'émotion. C'est une sensation qui va très très loin, et on sent même la façon dont il transperce le public, les musiciens qu'il a en face de lui. Avec Claudio, ce qui est finalement formidable, moi j'apprécie beaucoup, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de parler. Traduire une émotion, de traduire un sentiment avec les mots, finalement on l'a déjà tout de suite trahi, alors c'est mieux de s'en passer si on peut, surtout quand il s'agit de musique, qui de toute façon, ça c'est le cliché, mais c'est quand même la vérité, le langage universel, le langage qui se passe de parole. Il y a des gestes extrêmement expressifs et il y a tellement de choses qui se passent aussi dans le regard. Il y a tellement de visages sur son visage à lui. On peut vraiment lire tout ce qui se passe. Et aussi, il y a une grande transparence dans la façon dont il dirige, ce qui fait que les intentions sont absolument claires et limpides. L'orchestre a une bonté, il y a une profondeur, une gravité et en même temps une légèreté. Moi j'ai toujours pensé que c'est justement cette idée de réconciliation des contraires, c'est le signe qu'on a atteint déjà à autre chose et qu'on est libéré des préoccupations habituelles. Et ça c'est vraiment là où Claudio en est. Et donc c'est de la musique pure, il n'y a plus rien qui vient lui faire entrave. Et ça, évidemment, pour quelqu'un qui est à ses côtés musicalement, que ce soit en face ou à côté, le musicien d'orchestre ou soliste, c'est extrêmement porteur et stimulant et inspirant. Et ça vous transforme réellement. C'est une expérience qui vous change.